Médaille d'or olympique évidente pour la nageuse sud-africaine Tatiana Schoenmaker. La record woman des Jeux olympiques Tokyo 2020 s'est hissée à la première marche du 200 mètres brasse féminin en un temps record de 2 minutes 18 secondes. C'est la deuxième médaille de Tatiana Schoenmaker après l'argent remporté au 100 mètres brasse. Elle a marqué les esprits lors de ces Jeux Olympiques, surtout avec sa victoire sur 200 mètres brasse et en signant au passage un nouveau record du monde. Je crois que cette victoire est surtout la preuve que la natation africaine se porte plus ou moins bien. La piste est bonne pour l'athlète ivoirienne Marie-Josée Talou. Avec un chrono de 10 secondes 78, elle a égalé le record d'Afrique sur le 100 mètres en se qualifiant pour les demi-finales qui auront lieu ce 31 juillet 2021. L'autre ivoirienne à suivre lors de ces demi-finales du 100 mètres sera Muriel Aouri. Qualification également de la Nigériane Blessing Okabare qui s'est qualifiée avec un temps de 11 secondes 5. Marie-Josée a aujourd'hui toutes les chances de la Côte d'Ivoire sur son dos, mais surtout toutes les chances africaines pour celle-là qui est rompue à la tâche, mais surtout qui a une riche expérience. Je crois que lors des séries aujourd'hui, elle a marqué les esprits, elle a prouvé qu'on peut compter sur elle pendant ces Jeux olympiques. C'est la désillusion cependant pour le Cameroun en judo. Pour la judoka camerounaise Hortense Vanessa Mbala, Tokyo ne sera pas l'occasion de remporter l'or olympique. Elle a été battue par la Turque Saïd en 16e de finale des plus de 78 kilos.